et je crois que t'es réveillée maintenant. Ah pardon, merci d'avoir pris soin de moi. J'étais partie en quête de retrouver les sélènes des glycides afin de m'aider dans ma quête pour sauver mon royaume ainsi que le reste du visage. Oh, Angélie, tes peaux avantageuses. Une odeur de fleurs, une peau bien ferme. Pas de doute, c'est des filles. Oh, m'a permis de porter cette uniforme comme couverture pour me cacher de la lueur de royaume. Je suis sûre qu'elle fait du nez. Peut-être même du nef. Ah, t'as perdu une chaussette? Non, c'est l'uniforme de votre auberge. Ah ah, j'ai quand même bon goût. Et donc, c'est ainsi que je suis la princesse du royaume. Attends. Ce genre de princesse-là? Non. Quoique, si on parle à un cochon, est-ce que ça veut dire qu'on peut parler à d'autres cochons? À des oiseaux? Ou même aux dragons? Non. Ok, le seul et unique cochon parlant de ce monde. À ma connaissance. Alors donc, c'est... Et c'est pour ça que j'ai fini par perdre connaissance ici. Oh, je vois. Quoi? Mais qu'est-ce que vous faites? Petit contrôle de santé, je vérifie seulement que tout va bien. On ne va pas partir à la recherche de mes amis si tu as un quelconque souci tout de même. Bien sûr. Ah, mais ça veut dire que vous allez m'aider? Bien sûr, je fais n'importe quoi pour tes jolis loups. Ton joli minois. Ah, mais elle n'est pas un peu petite? Ne t'inquiète pas, elle sert surtout à intimider les autres. Et puis, comme on dit, la taille ne compte pas. Ok, Elisabeth, on part à l'aventure. Maman Oak,